Yo les barbeurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça, nouveau petit bijou de chez Babyliss Pro, exclusivité. Donc cette tondeuse est très très rare, il n'y en a pas beaucoup encore dans le monde. Il commence à y en avoir pas mal aux États-Unis. Là en Europe, ça se fait plus rare et j'ai eu l'occasion. Babyliss Pro est venu me l'apporter au salon et franchement, je kiffe de ouf. J'ai rajouté mon petit logo Iron Cuts. Vous allez voir, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de cette tondeuse. Et je vais aussi vous montrer comment j'ai posé mon logo sur mes tondeuses, posé mon logo sur mes fringues. Vous allez voir. Alors, voici la tondeuse, comment elle est livrée. Ça, c'est sa boîte. Vous avez ici la petite démonstration de la tête. Ensuite, on retourne la boîte. Attendez. Et derrière, vous avez le descriptif qu'on va lire ensemble, même si je connais déjà les caractéristiques de la tondeuse. Alors, celle-ci, c'est une version américaine. On voit une version américaine. Donc là, vous voyez, packaging extrêmement bien travaillé. Tac, c'est un lingot d'or. Tac. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer comment je pose mes logos là-dessus. Donc là, vous avez déjà une tête, un cache-tête qui permet de protéger vos lames. Okay. Ensuite, vous avez ici un petit crochet qui vous permet d'accrocher votre tondeuse comme ceci. Voilà. Et ensuite, elle se recharge tout simplement avec les mêmes câbles que pour les autres types de tondeuses Gold FX ou Chrome FX par exemple. Alors ensuite, la particularité de cette tête, ok, c'est que les dentures sont basses, ok, petites et basses. Donc là, on est sur de l'ultra précision et sur un gros travail de qualité sur du cheveu très très court. Généralement, les dentures comme ça, elles ont du mal à attraper beaucoup de volume de cheveux et à choper une grosse longueur de cheveux. Généralement, c'est spécialisé pour les cheveux très courts. C'est pour ça qu'il y a des tondeuses de précision qui ont des dentures plus hautes. Plus les dentures sont hautes, aussi hautes qu'une tondeuse de coupe, plus elle va choper les cheveux à une longueur importante et un volume important aussi. Donc elle a un voyant lumineux bleu, indicateur de niveau de batterie, commence à clignoter quand la batterie est faible. Et quand vous le mettez à charger, il s'allume aussi. Et ensuite, il cesse d'être allumé pour vous montrer tout simplement que la batterie est pleine. Ensuite, le fait de ressortir la lame comme ça, je trouve ça exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trafiqué leur N10 T-Outliner pour faire ressortir la lame comme ça, ce qui vous apporte beaucoup plus de précision. Vous voyez, si par exemple, j'ai envie de travailler en précision, je vois par ici et par là, donc je vois exactement ce que je fais. Et même quand vous voulez du coup choper une surface, ben, vous voyez la tête comment elle ressort, ça vous donne beaucoup plus d'amplitude et en gros c'est vraiment une arme de précision incroyable. Donc là, à travers les petites vidéos que je vais vous balancer, vous allez voir, je teste ces caractéristiques. Donc on continue d'ouvrir, de faire l'unboxing. Donc là, vous avez le petit livret d'informations. Ensuite, quand vous retirez ça, dedans vous avez la prise. Donc ça, c'est version américaine. Donc faut savoir que les tondeuses Babyliss Pro, ce qui est génial, c'est que le voltage est universel. C'est écrit dans chacune des boîtes, le voltage est universel. Donc vous pouvez acheter un modèle anglais, modèle américain, ça marchera sans aucun problème chez vous parce que le voltage, enfin la configuration des machines accepte le voltage universel. Donc dedans vous avez deux petites pièces très intéressantes. Celle-ci vous permet de la régler à zéro. Donc vous mettez tout simplement là comme ça, tac, voilà, comme ça, et avec le petit tournevis, vous venez tout simplement dévisser là, vous la poussez contre l'aide comme ça de réglage à zéro et ça vous donnera tout simplement un petit réglage
pour ceux qui ne savent pas la régler à l'œil. Moi personnellement, j'ai pas utilisé cet outil. Je l'ai réglé à l'œil et je l'ai réglé à 0,1. Comme ça, je peux l'utiliser sur le cou, le bas de nuque, contour d'oreille, et elle ne blessera personne. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est les tondeuses de précision qui sont réglées à zéro et qui blessent les personnes. C'est inacceptable, c'est pas professionnel du tout. Et même, j'ai déjà eu l'occasion de me faire blesser par une tondeuse comme ça, et c'est vraiment désagréable. On vient pour passer un bon moment chez le barbier, pas pour se faire charcuter. Donc voilà, je les teste. Elle a une énorme précision, elle retire grave et elle ne blesse pas. Excellente arme de barbeur. Et ensuite, on va retourner ensemble. Donc ça, je le retire. Et on retourne ensemble, on va checker les caractéristiques. Alors, c'est parti. Donc, batterie lithium. Ok, ça, je le savais. Donc, lame en titanium. Ok, le zéro gap qu'on peut atteindre. Donc ça, c'est super cool, hein, le fait de pouvoir la régler comme on veut. Donc c'est une T-blade, hein, lame en forme de T. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est avec les extrémités, vous allez venir pouvoir faire du détail, vraiment du gros détail. Pour ceux qui sont fans de design, vous allez pouvoir vraiment designer au calme. Ensuite, la lame, elle est exposée. Ok, on la voit sur 360 degrés. Ensuite, c'est designé par Ferrari. Le moteur est fait par Ferrari, moteur très puissant, et effectivement le moteur est très puissant. Je vais vous montrer là dans la vidéo, j'ai réussi vraiment à choper une grosse zone de cheveux en 2 secondes, tout est parti, mais c'était incroyable. Généralement, comme je vous l'expliquais, les petites denture comme ça, ça peut pas attraper autant de cheveux, elles se coincent. Moi par exemple, j'ai la Indistia Outliner sans fil, et quand j'attrape plein de cheveux, déjà c'est pas trop fait pour ça, mais quand j'attrape beaucoup de cheveux à la fois, elles s'étouffent. Et celle-là, elle a attrapé direct toute la touffe de cheveux, c'était incroyable. Ensuite, ok, tac, ce qui nous intéressait, voilà, batterie en lithium. Donc, 2 heures d'autonomie pour 2 heures de temps de charge. C'est génial, nickel. Ok, version fil, tac. Dual voltage, super, anneau d'accrochage, ça c'est cool. Barbeau logis. Ça c'est en fait, je vous expliquerai un petit peu plus en détail les différences, les petites nuances qu'il y a avec les États-Unis et l'Europe par rapport à Babyliss Pro. Ça reste la même marque, hein, mais c'est juste que là-bas ils développent beaucoup plus le truc, hein, l'univers barbier est beaucoup plus évolué là-bas. Donc voilà, 2 heures d'autonomie pour 2 heures de temps de charge, génial. La batterie, c'est une batterie lithium, hein, qui se recharge très vite et qui dure longtemps. Ensuite, très très puissant moteur qui vient clean une zone radicalement. Et pour finir, cerise sur le gâteau, il nous apporte un petit tournevis comme ça. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer la tête. Bon là, à une main, c'est un peu galère à enlever, mais vous mettez les embouts que vous voulez et vous allez pouvoir utiliser cet accessoire-là pour bidouiller vos tondeuses comme petit tournevis portable. Et voilà, vous pouvez desserrer ici pour entretenir un petit peu la tête, même si vous pouvez nettoyer là sans problème. Et ce qui est génial, c'est que finalement, vous voyez, il y a peu de cheveux qui peuvent rentrer à l'intérieur, venir étouffer vos lames. Ça, c'est génial. Dans les tondeuses, en règle générale, vous devez une fois par semaine démonter la tête pour retirer tous les cheveux qui s'emprisonnent à l'intérieur. Et là, regardez, franchement, l'espace, il est tellement petit qu'il n'y a pas grand-chose qui va s'accumuler dedans. Et il n'y aura même pas besoin de retirer la tête en fait. Vous passez juste un petit coup comme ceci et comme cela. Et c'est nickel. Voilà. Je termine cette vidéo en vous montrant comment j'ai balancé mes logos. Comment je les ai créés et je les ai collés en collaboration avec mon beau-frère. Et moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Parce que là, je pars un mois en vacances. Et je vais vous balancer plein de drôles de vidéos. On va changer un peu le délire. On va se mettre en mode barbeur vacances, lifestyle. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer le contenu. En tout cas, on continue comme ça ensemble. Je vais vous présenter plein de nouveaux trucs qui vont arriver. Et c'est parti.